Bonjour et à tous, bienvenue sur ce Let's Play de Wild Arms, sur PS1, un petit JRPG de 97 il me semble. Ouais, on passe à Jack. Le temple Memoria. J'espère que vous n'avez pas payé cher cette information. Et vous. Vous connaissez donc ce lieu? Ouais, bien sûr que c'est un endroit connu. Tu as perdu ton argent, il ne reste rien de valeur ici. Mon instinct me dit que nous y sommes. Je ne pense pas qu'il reste quelque chose ici. Ce n'est pas la première fois que des chasseurs de trésors viennent par ici. Nous ne trouverons rien. D'accord, vérifions à tout hasard. Nous aurons peut-être des indices pour obtenir le seul pouvoir. Eh bien, allons-y. Eh, on prend, c'est quoi? Non, on n'y touche pas. Laisse-moi faire. Voyons voir, là. Es-tu le gardien de la mémoire? Tu dois graver ton nom. Tu es le cerveau. Tu as des idées. Je n'ai pas d'idées. Juste pour voir, je vais mettre mon nom. Mauvais code. Je protège la mémoire. Tu es un intrus. Je te jette au fond de l'abysse. Jack Van Burress, maître de la Degenfall, chasseur de rêves, le chasseur de trésors. Son compagnon Mulot Eole, en panse, est curieux et bien informé, mais quelque peu arrogant. Défiant le danger, le chasseur de trésors parcourt les ruines en quête de trésors et d'aventures. Jack préfère le pouvoir, supérieur absolu à tout autre pouvoir. Il cherche en relâche, est-ce une épée? Est-elle cachée ici? Fichtre! Laissons tomber l'espoir à son tyrannon d'ici.
Ma croix directionnelle est un peu... est un peu morte. Allez, cool, putain. Ah! Fail. Ah ben voilà. Alors, quelqu'un a laissé un message ici, le lire. Que diable, comment diable Axon tu se lever, je n'y arrive pas. Bah en fait, facile. N'y touche pas. C'est un élu. Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant. Qu'est-ce qu'un élu? Il y a longtemps, un peuple étranger vivait ici. Un peuple d'une intelligence supérieure qui mêlait la technologie et la magie. Voici le reste d'un peuple qui vivait ici en harmonie avec les lois de la nature. C'est donc un élu. Non, c'est un hologramme. Cette machine doit être un dispositif de stockage de données des élus. Ils ont caché des informations pour le retrouver plus tard. Le temple Memoria porte bien son nom. Attends une minute. L'élu parle directement à mon esprit. Bonsoir avec ton crâne épais, ça c'est la pointe de la technologie. Ne cherche pas l'Olicia. Elle dort dans sa tombe. Le souffle glacé de l'Olicia ne peut que détruire. Ne cherche pas l'Olicia dans sa tombe. Les élus sont partis. Ne cherche pas l'Olicia, elle est dans la Terre-Lumière.
Elle est le vent de mort, le cœur de l'annihilation, un pouvoir destructeur absolu. Je n'y crois pas, le pouvoir absolu. Et en prend, tu l'as entendu, où est cette lumière? J'ai des doutes, mais dans une langue ancienne, Adelaide signifiait lumière. Il peut y avoir un rapport. Tu peux y aller, ce n'est pas si loin d'ici. D'accord. Le royaume d'Adelaide est au sud-est d'ici. Nous devons réussir cette fois. Il me semble que... Ouais, non, rien. Ah. Ouais. Ah, c'est qu'on peut... Il va se falloir taper tout le donjon.
Il y a un prix à payer quand on a le pouvoir. Libère-toi du passé. Mais que réserve l'avenir? L'homme cherche-t-il la force parce qu'il croit que le pouvoir éclairé fera le sombre chemin vers l'avenir? Ne sait pas que le pouvoir qu'il recherche retient aussi son âme. Merci d'avoir regardé. On va passer au troisième personnage dans la prochaine vidéo.